Bonjour tout le monde. Alors je voulais vous faire une petite vidéo sur l'embrayage qui patine. Alors comment savoir si c'est le cas? Vous avez deux moyens de le savoir. Un, ça va être déjà pendant que vous roulez, surtout en montée ou lors de fortes accélérations. Vous allez accélérer et votre contour va monter plus vite que votre vitesse. Donc en gros, ça veut dire que votre embrayage patine. Donc ça tourne dans le vide, votre moteur en fait tourne dans le vide et ne transmet pas la puissance aux roues. Donc ça peut être une manière, si vous remarquez que voilà, que ça fait plus de bruit mais que ça va pas plus vite, ça c'est un signe déjà que votre embrayage patine. Alors si par exemple vous achetez une voiture et vous voulez tester l'embrayage, ce que vous pouvez faire, s'il est usé, c'est de mettre le frein à main, débrayer, mettre la troisième. Et vous allez embrayer. Maintenant. Vous voyez, ça cale pas. Je vais pas jusqu'au bout, mais ça devrait caler. Vous voyez, si ça cale pas, c'est que l'embrayage patine. Si je relâche doucement, ça va finir par caler en principe. Voilà, mais là, je suis presque à fond. Voilà, et ça cale pas. Donc ça, c'est un signe que votre embrayage est à remplacer. S'il est bon, ça devrait caler tout de suite. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'en fin de course de la pédale, ou presque, pour sans caler. Voilà. J'espère que ça vous aura donné quelques indications sur l'état de l'embrayage, comment le tester. Et après, bien sûr, il y a les différents stades d'usure, donc ce ne sera pas forcément très évident à déterminer, mais au moins, vous pourrez savoir s'il est vraiment, vraiment à remplacer. Allez. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. A plus. Ciao, ciao.